La deuxième partie de cette dernière émission, Stop Intox, si vous nous rejoignez, je vais simplement vous rappeler que Stop Intox a pour vocation de faire tomber les idées reçues. On s'attaque aux bastilles des idées reçues, on essaye de les déconstruire, on essaye de rapporter un peu de raison, un peu de science dans le débat du jour, y compris le débat du jour avec Gilles Rivière-Weckstein. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Glyphosate, l'impossible débat, intox, mensonge et billets verts ». Alors, la première édition a rencontré son public, comme on le dit, et il y a une deuxième édition qui sort dans quelques jours. Votre livre est préfacé par le docteur Jean-Daniel Flessacquier. Donc, on va s'intéresser à ce débat. Le glyphosate, c'est un désherbant qui est utilisé pour détruire ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes, utilisé aussi par les agriculteurs. Est-ce que François Arnoux est avec nous? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, bonjour François, ça va bien? Ça va bien. Bonjour Pascal, bonjour Gilles. Vous êtes céréalier, producteur de semences, vous êtes en Vendée. Juste d'un mot, parce que le débat est passionnant, il est dans l'actualité, il y a toujours un bras de fer, on va dire, entre ceux qui considèrent qu'il faudrait arrêter immédiatement le glyphosate. La position du président de la République, d'ailleurs, au passage, qui dit bah, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de plan B, si vous voulez, il n'y a pas de solution de rechange. Alors, il y a des entreprises qui utilisaient le glyphosate, pour certaines c'est inattendu, mais en réfléchissant un peu, on se dit, tiens, ben oui, évidemment, comment n'y ai-je pas pensé avant? La SNCF, alors la SNCF ne sert pas de glyphosate dans les wagons-restaurants, mais elle l'utilise pour désherber les voies, le ballast, et on lui demande de faire sans le glyphosate. Ça va coûter quelques centaines de millions d'euros, alors que ça n'avait strictement aucune conséquence dans le domaine de la santé, de la sécurité, y compris de ceux qui utilise le glyphosate. Comment vous expliquez que ce débat, Gilles Rivière, soit toujours un débat aussi empoisonné? D'abord parce que le glyphosate, c'est un symbole. C'est un totem pour le monde de l'écologie qui, depuis des années, se bat contre les glyphosates. Et à l'origine, la raison pour laquelle le monde écolo voulait la peau du glyphosate, c'est bien entendu parce que c'est un pesticide, mais aussi parce que c'était très relié à la question des OGM. Comme vous savez, la plupart des OGM qui sont sur le marché dans le monde, une grande partie sont résistants au glyphosate. Et donc, il y avait ce lien entre glyphosate et OGM. Donc, toute la mouvance anti-OGM pensait avec raison que si on supprime le glyphosate, tous ces OGM n'auront plus d'intérêt. Mais le grand déclencheur de la vague anti-glyphosate qu'on a vue, ça a été l'avis du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, en 2015, il y a déjà 5 ans de cela, quand il a classifié le glyphosate comme cancérigène probable. Cancérigène probable, donc pas certain. Il y a une petite histoire autour de ça. Aaron Blair, qui dirigeait le CIRC à l'époque, et à qui on présente une étude sur une cohorte, une étude d'un grand institut public américain, sur une cohorte de 80 000 utilisateurs du glyphosate, ce n'est pas des gens qui consomment le produit final. Cette étude dit en substance qu'il n'y a pas de, conséquences, il n'y a pas de lien entre glyphosate et survenue des cancers, par exemple. Aaron Blair donc dit, oui, mais elle n'a pas été publiée, cette étude. Si elle l'avait été, on l'aurait intégrée, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu un fake quand même, le CIRC. Alors, là. En tout cas, il y a eu l'avis du CIRC, et ensuite, il y a l'avis de toutes les autres agences sanitaires qui, elles, disent, écoutez, même en prenant en compte les études et l'évaluation du CIRC, nous considérons de manière unanime que le glyphosate ne pose pas de problème. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à cette époque, vous avez des cabinets d'avocats américains spécialisés dans ce qu'on appelle les class action qui se sont dit « Hey, banco, là, il y a du pognon à faire ». Pourquoi ? Parce qu'il suffit de faire passer des annonces dans la presse pour récolter des témoignages de gens qui disent « Moi, j'ai un cancer, j'ai utilisé du glyphosate, on fait le lien ». Et donc, avec ça, alors, on va faire une attaque. Glyphosate ou Roundup ? Enfin, Roundup, c'est le produit le domestique. Commercialisé. Ouais. Donc, n'importe qui dans sa vie
a utilisé du glyphosate et qui, aujourd'hui, a une forme de cancer, était éligible à ces class actions montées par ces cabinets d'avocats qui se sont dit, là, il y a du pognon à faire. C'est pour ça que dans le titre de mon livre, j'ai bien insisté sur billets verts. Oui, parce qu'il y a de l'argent derrière voilà. ça. Voilà. Et depuis que j'ai fait ce livre l'année dernière, il s'est avéré que je n'avais pas tout à fait tort, puisque vous avez dû voir dans les nouvelles que Bayer est prêt à sortir son carnet de chèques et de faire un petit chèque d'un montant de 10 milliards de dollars pour terminer toutes ces plaintes, tout en disant clairement qu'il n'accepte pas le lien entre le lien de causalité. Mais ils disent, on en a ras-le-bol de tout ça. Ouais. Nos actionnaires nous disent, on ne veut plus traîner ce problème. Oui, régler ça. Coûte n'importe quel pour quel prix. Et donc, ils sont prêts à sortir 10 milliards de dollars. Alors, la chose qui est très intéressante, mais attendez, c'est que... Attendez, je vous interromps. Quand on a cédé une fois, on ne peut pas céder deux fois, puis trois fois. Dans ce cas-là, c'est un petit peu la difficulté des accords aux États-Unis, c'est qu'ils essayent d'avoir un accord en disant, bon, on paye une fois, mais après, vous ne pourrez plus revenir. C'est libératoire. Ouais, exactement. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, il y a deux choses. C'est que personne aux États-Unis ne demande l'arrêt du glyphosate. Il n'y a qu'en Europe. Donc, c'est une affaire de gros sous américains, et les dindons de la farce... D'accord. Ce seront les agriculteurs français. Ouais. Mais la chose la plus drôle, c'est que l'avocat qui a monté toute cette stratégie, aujourd'hui, il a été condamné, lui, pour corruption. C'est-à-dire que c'est un avocat d'affaires qui est tellement véreux qu'en fait, son business plan, c'était de faire chanter les multinationales. Et il a été pris pour ça et il est condamné aujourd'hui en justice américaine. Il a été condamné et il a avoué, donc il n'y a pas d'appel. Donc le maître d'œuvre de toute la stratégie américaine contre le glyphosate est un avocat véreux. François Arnoux, dans une interview très récente à l'Usine Nouvelle, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, dit qu'une exploitation sur trois en France est sortie du glyphosate. Et à engager une transition. Alors, d'ailleurs, ça m'étonne au passage, parce que simultanément, vous avez le président de la République et de temps en temps, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture qui disent on n'a pas de solution, on n'a pas de solution alternative, on n'a pas de plan B. Donc, vous, est-ce que vous en faites partie et comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez, François ? Alors, moi, j'en fais pas partie. J'utilise toujours du glyphosate sur mon exploitation. Je l'utilise, et il faut le rappeler, en France, comme dans la plupart des pays en Europe, on utilise le glyphosate en nature, donc on l'utilise pas sur les cultures, mais en interculture, donc entre deux cultures. Ça, c'est important parce que les gens préciser. Souvent, dans le débat, François, faut dire les choses clairement. Vous savez, l'image, quand vous regardez certaines émissions de télévision, où on utilise complaisamment des séquences où des hélicoptères vaporisent des champs, ou d'ailleurs parfois des machines agricoles, le produit, on le répand pas sur ce qui est cultivé, ce qui est consommé ensuite, la production alimentaire. Tout à fait. On l'utilise principalement à l'automne et au printemps, mais entre deux cultures. Hein. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. Et on l'utilise que si c'est nécessaire. Et le but d'utiliser le glyphosate aujourd'hui, c'est justement de détruire les mauvaises herbes qui sont levées avant qu'on sème la nouvelle culture, pour avoir un temps d'avance sur les adventices, pour pas qu'elles gênent la nouvelle culture. Évidemment qu'on peut avoir des alternatives. On peut donc, sur une partie de mon exploitation par exemple, je pourrais passer des outils mécaniques. Alors attendez, là on a besoin de comprendre. Soit, donc, interculture, on répand du glyphosate sur des couverts, je crois que ça s'appelle des couverts, c'est ça. Soit, deuxième option, on retourne la terre, mais alors là, il y a une autre externalité négative, si on se situe en termes d'environnement, c'est que pour retourner la terre, vous allez utiliser vos engins agricoles, et donc vous émettrez du CO2. Ça fait d'ailleurs, je crois que certains l'ont calculé, ça peut faire dans certaines régions jusqu'à 200 litres de gasoil sur une saison à l'hectare, ce qui fait beaucoup en termes d'émissions de CO2. Alors ça fait beaucoup. Bon, moi je pense que le chiffre est un peu élevé, mais on peut être quand dans même certaines régions. Dans certaines régions, vous êtes à plat, vous. Oui, on est à plat. Ouais. On est plutôt sur du, ça peut être 5 à 70 litres en plus, ce qui est déjà énorme par rapport à ça. Et donc ces alternatives, on peut les envisager, sauf que on les a déjà essayées dans un certain nombre de situations. Par exemple, moi j'ai deux situations. J'en ai une en terre superficielle, donc là où il n'y a pas beaucoup de terre. Les outils aujourd'hui,
On peut les passer plusieurs fois, on a du mal à tout détruire parce qu'il suffit qu'il repleuve derrière et les mauvaises herbes reprennent. Donc, on dit « ok, on se passe du glyphosate, mais on aura un résultat qui, de toute façon, ne sera pas à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui avec le glyphosate. Donc, on va avoir une augmentation, enfin une baisse d'efficacité. Derrière ça, on aura une augmentation du coût de désherbage dans la culture qui va suivre. Ouais. Donc, ça, c'est un problème pour, donc, ça engendre une perte économique. Et on a aussi, donc, une perte de productivité. Parce qu'on aura des cultures qui suivent. Donc, ces deux phénomènes additionnés font une perte économique. Bon. Quand on parle de souveraineté, une perte économique, ça veut dire une perte de rendement. Quand on parle de souveraineté alimentaire, pour en revenir au ministre, c'est absolument pas ce que aujourd'hui l'objectif qui est défendu en France par le gouvernement, par par tout le monde. Hein, on voit bien que la souveraineté alimentaire, elle est importante. Donc là, on se tire une balle dans le pied, encore une fois, pour dire, eh bien, on va faire différemment des autres. Alors quand j'entends en plus l'introduction que je connais bien par rapport à ce que vous avez pu dire avec Gilles sur cette supercherie en fait hein, de la dangerosité du glyphosate, on se dit mais on est vraiment les dindons de la farce, on va perdre du rendement, on va baisser notre souveraineté alimentaire et puis ce qu'on oublie de dire tout le temps, enfin en tout cas le plus souvent, c'est qu'on aura un bilan carbone qui sera de toute façon encore moins bon. Ah oui. Donc ça va à l'encontre de ce l'objectif initial, on est tous d'accord. Juste d'un mot, François, si on fait avantage coût opportunité, coût bénéfice, enfin appelez-le comme vous voulez, il y a d'un côté donc des émissions de CO2 parce que vous passez les outils comme vous dites, donc on utilise des machines agricoles, de l'autre côté le glyphosate, comment vous l'utilisez sur un hectare, c'est quoi, 1 litre, 2 litres, 3 litres, et quelles sont les conditions générales d'utilisation? Est-ce qu'il y a un conseil du fabricant? Alors, le conseil du fabricant, c'est comme tous les produits phytosanitaires, c'est en absence de vent, avec une hygrométrie, un bas volume, enfin bon, tout ça, on le sait, on le pratique déjà, ce qui fait qu'en moyenne, sur mon exploitation, je suis, suivant les années, parce que les années pluvieuses, on a évidemment plus de repousse, et des années plus sèches, eh bien, on a moins de repousse, donc on fait au cas par cas, année par année, en fonction de l'année. Donc, en moyenne, je suis autour de 2,5 litres, ce qui fait à peu près 1000 grammes de matière active, sachant que le produit est homologué ou était homologué jusqu'à 6 litres. Donc, vous êtes même pas à 50% de la posologie. Exactement, voilà, aujourd'hui. D'accord. Quelle est, Gilles, quelle est la position de la France aujourd'hui? Si vous deviez dire, interrogation écrite, elle est orale, là, en substance, quelle est la position de la France sur le glyphosate? Qui la prend d'ailleurs? Alors, ce sera très clairement le président de la République qui la prendra. Puisque c'est. Alors, il la prendra, donc, il faut juste. La position de la France, c'est par rapport à quelque chose de bien précis. Mmh. C'est par rapport au fait que en 2022, la matière active va être réhomologuée ou pas à l'échelle européenne, puisqu'elle a été homologué la dernière fois, réhomologué pour 5 ans. C'est ça, un sursis à l'époque. Voilà. Donc il y a maintenant, depuis la déclaration d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup évolué sur ce sujet, il y a donc des échéances qui auront lieu en 2022. Là, tous les États membres vont devoir se prononcer, soit pour ou contre une réhomologation, en fonction de l'avis que va donner l'EFSA, donc l'Agence sanitaire européenne, qui a été donc bien entendu convoquée sur ce sujet, qui va se baser sur 3 États membres qui font tout un travail pour savoir finalement si ça pose un problème ou pas. Des experts donc. Ce sont des experts. Ils sont vraiment indépendants, Gilles. Ce sont les agences sanitaires mises en place par les pays. Enfin, c'est l'ANSES. Mais vous savez que c'est contesté par les écolos. Oui, vous savez, tout est contesté par les écolos. Donc voilà, ce sont des agences, les experts de l'ANSES sont payés par nos impôts. Et vous avez, ils sont bien entendu que ces gens vont travailler en toute indépendance. Et en fait, ils vont conforter leur avis avec les autres experts des autres pays. D'accord. Donc, il y aura un avis qui va être donné par cette agence. C'est une recommandation. D'accord. Moi, je pense. Donner à qui, là, alors? À l'Europe. Aux pays membres de l'Europe, à la Commission. Alors, donc, c'est la Commission. Voilà, la Commission va donc soumettre, suite à l'avis de l'EFSA, les recommandations, la Commission va soumettre un projet. Soit l'EFSA va dire, oulala, on a découvert que c'est dramatique et donc on vous propose de retirer la substance. Là, exit, plus de débat.
Il n'y a aucun pays qui va prendre risque. Ou bien l'EFSA va dire, ben, finalement, nous, depuis 5 ans, rien de neuf n'est apparu, puisqu'il n'y a eu aucune nouvelle étude qui ont démontré quoi que ce soit de toxique pour le glyphosate. Donc, ils vont donner un avis qui sera similaire. À ce moment-là, les pays sont libres de choisir de suivre la science ou d'avoir un avis politique. On se rappelle ce sera un arbitre fois, à votre avis. Alors, okay. La dernière fois, l'avis a été clairement politique, puisque la France a voté contre. Moi, ce que j'entends aujourd'hui du ministre de l'Agriculture qui est venu sur ce plateau dire qu'il fallait désormais que ce soit la raison et la science qui dominent, donc je présume qu'il va l'appliquer au glyphosate et donc que la France va suivre l'avis de l'EFSA. Maintenant, il n'y a aucune certitude, puisque déjà, il faudra que Macron soit réélu, puisque ça sera après les chances présidentielles que ça va avoir lieu. Et donc, il va voir les rapports de force qu'ils vont avoir. En tout cas, juste une petite précision qui est très importante à mon sens, c'est que l'agence sanitaire française, l'ANSES, a remis un rapport au mois de novembre en disant clairement deux choses. Que la suppression de la matière active va conduire à des impasses techniques. Donc, on n'a pas de solution alternative, c'est ce que ça veut dire. Pour certaines pratiques agricoles, il n'y a pas de solution. Pour d'autres pratiques agricoles, effectivement, l'ANSES a montré qu'il y avait des solutions. Simplement, ces solutions n'ont pas été confrontées aux conséquences environnementales et aux conséquences économiques. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'avant qu'on prenne une décision, qu'on ait en effet une évaluation sur le coût environnemental de la suppression du glyphosate. Mais c'est ce que dit François Arnoux. Voilà, mais non, mais pour l'instant, cette évaluation-là n'a pas été faite et je pense qu'il faut utiliser le principe de précaution et ne pas supprimer le glyphosate tant qu'on n'ait pas cette évaluation. Et ça, on a maintenant 1 an pour la faire. Donc, faisons-la, demandons au pouvoir politique de faire cette évaluation et une fois qu'on connaîtra, qu'on saura si finalement retirer le glyphosate c'est bon pour l'environnement ou pas, je pense qu'on pourra peut-être éviter de faire l'erreur que nous avons faite en fermant Fessenheim. Bon, alors, dans Glyphosate, l'impossible débat, un tox mensonge billet vert chez le publieur, bientôt 2e édition, vous retenez cette formule célèbre que les amateurs de cinéma connaissent. C'est le juré numéro 8 qui est joué dans le film 12 hommes en colère. Tout le monde se rappelle, une grande partie en tout cas de ceux qui nous suivent, se rappelle de 12 hommes en colère, formidable film, une espèce de huis clos de Sidney Lumet. Et Henri Fonda dit « c'est dur de faire abstraction des préjugés personnels, ils ont des causes diverses et secrètes, d'où qu'ils viennent les préjugés masquent toujours la vérité ». Et au fond, François Arnoux, pour conclure, dans ce domaine comme dans les autres, c'est presque de la philosophie des sciences, on croit toujours ce qu'on a envie de croire. C'est idiot comme ça, comme formule. Et pourtant, réfléchissez-y bien. Parfois, on ne voit pas. Les yeux voient l'évidence, mais le cœur ou l'esprit ne la voit pas, ne l'aperçoivent pas, parce qu'il y a le filtre des préjugés. Ce sera compliqué de sortir de ce débat. Et pourtant, pour vous, agriculteurs, c'est un marqueur extrêmement symbolique dans la relation que vous avez avec l'opinion, le glyphosate. Oui, tout à fait, sauf que il suffit d'expliquer nos pratiques et déjà ça va beaucoup mieux. Donc tous ces préjugés ou toutes ces idéologies qui sont développées, eh bien nous on doit les combattre, c'est pour ça qu'on est présent sur les réseaux sociaux notamment et qu'on fait des fermes ouvertes et dans nos fermes pour expliquer ce que l'on fait. Je voulais dire quand même, c'est que sur ma ferme, et ce qui est vrai dans beaucoup de régions, c'est que je vais être dans l'impasse complète dans deux situations. Dans la partie des sols argileux où on produit du blé dur, où on produit des lentilles, on sera dans une impasse totale. Donc ça veut dire que le blé dur, eh bien, on ira la surface quand même est à peu près représente un quart du volume français sur cette région. On va donc importer du blé dur canadien qui lui reçoit du glyphosate pour faire mûrir le blé dur, donc sur la culture. Donc on trouve que c'est quand même complètement injuste. Et la deuxième chose où je serai dans une impasse totale, c'est sur les productions de semences. Donc d'accord. C'est un fleuron, c'est une filière d'excellence en France. Et je serai obligé de diminuer ou d'arrêter cette production parce que j'aurai pas suffisamment de champs qui seront sans adventice pour produire du maïs semence. Et pour finir, ce qui est quand même dommage, c'est qu'on voit qu'avec les aspects matériels, notamment les futurs pulvérisateurs, donc qui épandent le glyphosate, qui vont arriver, eux, dans quelques années, vont détecter là réellement où il y a le
la mauvaise herbe à détruire. Donc on va faire du ciblage, c'est-à-dire qu'on va appliquer le produit vraiment que là où il y a une plante à détruire. On est en train de mettre ça au point, les constructeurs sont en train de mettre ça au point. Donc on va réduire le glyphosate ou les produits phytosanitaires de 70-80%. Ouais, mais si on n'a plus de produits, parce qu'on les aura interdits là en 2022, par exemple pour le glyphosate, eh bien on va se retrouver avec du matériel hyper performant qui fera qu'on pourra atteindre l'objectif initial. Mais on n'aura plus les produits efficaces. Donc c'est merci François. Je vous interromps. Merci. Vous pouvez suivre François Arnoux sur Twitter. @François Arnoux. Il y a un F majuscule et un A majuscule. Arnoux. Continuez de prendre la parole d'ailleurs sur les réseaux sociaux, comme le fait également Anne-Cécile Suzanne, qui était l'invitée de la première partie. Longue vie à la deuxième édition de votre ouvrage. Pas facile hein, quand même en quelques secondes, là, 10 secondes, de remettre de la science dans un débat aussi... compliqué, complexe. C'est comme dans le film 12 hommes en colère, il faut de la patience, de la persévérance, mais finalement, le film finit bien. À la fin, la raison. Et la raison triomphe, et je pense que dans ce débat-là, j'espère que la raison triomphera également. Merci beaucoup, Gilles Rivière-Weckstein, Glyphosate, impossible débat chez Le Publieur, avec une préface du docteur Jean-Daniel Flessacquier. Merci de nous avoir suivis. Stop Intox, vous pouvez nous suivre toute l'année. Toute l'année, on se saisit des sujets qui sont liés à l'agriculture, à l'agroalimentaire, mais aussi parfois à l'industrie. On parle d'industrie, on parle de tous les grands sujets économiques, de tous les grands marchés, on parle de votre vie quotidienne, et puis on essaye, nous, à notre façon, d'apporter un peu de raison scientifique dans des débats qui, parfois, ne le sont pas, qui reflètent ce que l'on appelle le scientisme. Ça a l'apparence de science, mais c'est un peu le Canada Dry, pour ceux qui ont connu cette boisson les plus anciens, le Canada Dry de la science, une espèce de succès d'année, d'ersatz. Merci de nous avoir suivis, bonne journée, à bientôt.